Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 11 avril 2019 et vous le savez, comme chaque jeudi soir sur 01 TV, c'est le débrief de l'actualité de la semaine. C'est 01 Live Hebdo. Merci d'être là. Je vous rappelle que ce 01 Live a été enregistré il y a 2-3 heures, mais que nous vous le diffusons sur la chaîne YouTube de 01 TV en version première. C'est-à-dire que c'est comme si c'était du direct. On est quand même malgré tout en léger différé. Bonsoir Jérôme. Bonsoir François. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver à nouveau ce jeudi soir pour parler tech et pour parler notamment mobilité et nouveaux smartphones avec de l'insolite et de l'exclu ce soir dans 01 Live. N'ayons pas peur des mots, vous allez découvrir le nouveau smartphone Oppo avec un design un peu étrange et puis un smartphone encore plus étrange presque signé Samsung avec un appareil photo qui sort comme ça de manière assez magique. Un appareil photo rétractable, c'est le Samsung A80. Et tout cela, je le disais, quasiment en exclu sur le plateau de 01 Net TV. Du côté du labo, on retrouvera là le test du Redmi Note 7, qui est sans doute l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Nicolas nous en parlera. Et puis aussi, on n'est pas passé à côté, les nouveaux iPads sont disponibles. Ah oui. Alors bon, vous allez voir, hein, y a rien de révolutionnaire, mais malgré tout, pour tous les amoureux de l'iPad mini, c'est une bonne nouvelle, puisque l'iPad mini revient en version surboostée. On en parlera tout à l'heure avec Pierre Fontaine. La tech, on croit souvent que ce n'est qu'une histoire de mecs, François. Eh bien non, il y a énormément de femmes qui s'intéressent aux technologies et surtout, il y a de nombreuses femmes qui ont marqué l'histoire de l'informatique et des technologies. On en parle dans 01 Live à l'occasion d'une exposition qui a lieu à Paris. On en parle tout à l'heure avec Marion Simon-Reynaud de la rédaction de 01 Net. Et puis bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est Jordan Cosino, ça rime. Il sera là tout à l'heure pour la fin de ce 01 Live avec sa petite sélection web insolite. Vous le voyez, il nous a fait coucou. Et vous allez voir, il va venir, mais pas comme d'habitude, Jordan. On vous en dit pas plus. Oula, je crains le pire. Merci d'être là. C'est parti pour ce 01 Live. Mais avant cela, comme d'habitude, la question 01 Live Orange. Vous savez, ce petit sondage qu'on vous soumet chaque jeudi par rapport à l'actualité. Alors, la semaine dernière, François... Oui, alors tu n'étais pas là, tu étais en train de bronzer. Non, je n'étais pas là. Enfin, pas trop, hein, visiblement, parce que tu n'es pas énormément bronzé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le concours de bronzage, ça lui fait toujours plaisir. La semaine dernière, on parlait de cette association étonnante entre Wiko et Quant. Jérôme, tu sais que... Très bon sujet. Un smartphone Wiko est sorti avec du Quant à l'intérieur pour essayer de casser l'hégémonie de Google. Et on vous posait une question sur ce sujet. Un smartphone Wiko Mobile Quant, donc Quant anti-Google. C'est pas gagné pour casser l'hégémonie. Ça vous tente ? Ben non. 25% oui, 75% non. Mais ça fait quand même 25%, un quart. Mais oui, bien sûr. Et puis surtout, c'est important que ça existe. C'est important qu'il y ait des alternatives. Écoutez, parmi plus de 700 votes, s'il y a 25% de gens qui achètent des Wiko, c'est déjà pas mal. Hein, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on va parler de tablettes, justement. Tout à l'heure, on va parler d'iPad. Alors, nouvelle question. Cette semaine, on vous demande si vous utilisez vous-même une tablette. Dites-le nous. Hein. Question 01 Live Orange, c'est sur Twitter que ça se passe. Oui, souvent, quelquefois ou bien jamais. Et on fera le point tout à l'heure. Oui, parce qu'on parle de tablettes qu'on utilise tous au quotidien. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité ? On le verra tout à l'heure. Pour débuter donc ce 01 Live, place aux exclus, place aux derniers smartphones. Vous savez que c'est un petit peu notre patte à nous, ici à 01 Net. Et Nicolas Louche, monsieur smartphone, est venu avec, allez, on peut dire, quasiment deux exclus. On vient, oui, avec carrément deux exclus. On en a une qui est en plateau, une que j'ai vue hier, que je vais vous raconter, qui sera annoncée un petit peu plus tard, mais donc du coup, on va en parler là. On va certainement commencer par celui-là qui est là, si ça vous va. Oui, allons-y. Parce que c'est Samsung. C'est Samsung. Qui, quelques semaines après avoir dégainé ses Galaxy S10, eh bien, sort ce fameux A80. C'est ça. Alors Samsung, ils ont une stratégie assez étonnante depuis le lancement du S10, c'est que toutes les semaines, ils lancent un nouvel appareil. On ne comprend pas trop ce qui se passe. On a eu le A50, le A70, le A20e, le A10, enfin, ça ne s'arrête plus. Et là, celui-là, il a été annoncé hier à Milan, c'est le Galaxy A80. Et il se trouve que 01 Net, on a l'exclu aujourd'hui, on est les seuls à l'avoir récupéré en France. Et ce smartphone, donc sa petite particularité, c'est que vous le voyez peut-être, je vais le montrer à la caméra directement, si je ne l'éteins pas comme je viens de le faire. Il n'a aucune encoche, aucun poinçon.
On voit l'écran. Oui, voilà. C'est du full screen. C'est vraiment du full screen. Borderless. 100%. Et donc c'est extrêmement agréable pour regarder un film, par exemple. Oui, parce que c'est vrai qu'on a un grand écran là. On a un grand petit trou à droite, à gauche, au milieu. On a un grand écran, vraiment grand, c'est 6,7 pouces. Et le Galaxy S10 Plus, c'est 6,4 en comparaison. Donc c'est vraiment immense pour un écran. C'est au format 29e. Donc vous vous demandez où est la caméra frontale. Mais où est la caméra frontale, Nicolas ? Merci Jérôme. C'est quand même étonnant que vous posiez cette question. Je n'ai pas vu venir. On fait des répétitions régulièrement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de caméra frontale. Ce sera un concept, cela dit, le smartphone anti-selfie. Mais en soi, il n'y en a pas de caméra frontale. C'est, on a déjà vu des téléphones dans le passé, chez Oppo, chez Vivo, chez, chez Xiaomi, par exemple. Ah, vas-y, mais j'ai vendu la mèche dans les titres. Hein, donc, ici, oui, voilà. Si je vais dans l'appareil photo et que je change juste en appareil photo, eh bien, un truc se soulève. Mais il ne fait pas que se soulever, je pense qu'on l'a vu ici. C'est qu'en fait, la caméra de derrière va se retourner. Ah ouais. Pour passer à l'avant. Donc ça, c'est une première. Attends, tu peux le refaire. Je vais le refaire pas mal de fois. C'est en live. Hein. Mais on peut voir cette caméra rotative, c'est donc un concept inédit. Donc pour la première fois, c'est pas une caméra frontale qui apparaît, mais la caméra de derrière qui s'inverse. En l'occurrence, du coup, on a un tri-module caméra avec un capteur grand angle traditionnel de 48 mégapixels, un ultra grand angle et un capteur TOF qui permet de mesurer la distance. Donc il n'y a qu'une caméra en fait. Il n'y a qu'une seule caméra qui tourne. Du coup, tu as la même qualité d'image devant et derrière. On avait déjà vu des téléphones dans le passé proposer justement une caméra rotative pour améliorer la qualité, mais c'était jamais aussi poussé parce que c'était pas avec un système mécanique, avec un moteur. On n'était pas sur ce niveau de qualité d'écran, donc du coup c'est vraiment une première. Ah, Nicolas, c'est une vraie tendance ou c'est un gadget? Moi, je suis sceptique, en tant que tech enthousiaste, comme on peut le dire, j'ai envie de dire « ouais, c'est trop cool ». Oui, c'est cool, mais est-ce que c'est une révolution? Non, c'est pas une révolution. Ouais. Et concrètement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'année dernière, on a vu plein d'acteurs chinois faire des concepts insolites, c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire, avec des téléphones à slider, des téléphones… Bah, l'Oppo Find X avait fait son petit effet quand même. Le Find X avait son petit effet qui était un peu similaire, mais c'était une vraie caméra qui se soulevait. Et donc, du coup, je pense que ce que fait Samsung aujourd'hui, c'est qu'il montre que… Eux aussi peuvent faire des trucs un peu foufous. Exactement. Ouais. C'est que c'est pas on est dépassé par les Chinois. C'est ils sont capables de faire ça. On fait encore plus grand. Tout à fait. Maintenant, est-ce que Samsung veut vendre ce téléphone autant qu'un S10? J'en doute. D'ailleurs, le prix 659 € pour un smartphone milieu de gamme qui n'a pas les derniers composants du marché, c'est cher. Hein. C'est le prix auquel on trouvera le S10 dans quelques mois. Non, mais ça peut plaire. Hein. C'est le prix auquel on trouve déjà le S10e. Qui a été proposé à 750 et qui aujourd'hui est à 650. Donc c'est pour ça que je trouve le concept très intéressant. C'est une première, donc on est content de voir ça, mais ça ne va pas être une révolution, ça plaira à certains, c'est évident. Il y a beaucoup de personnes qui vont être contentes de dire qu'ils peuvent avoir un produit. Puis on peut frimer quand même. Exactement. Voilà. Il est bien fini. Hein. Le Find X, il faisait vraiment très lourd, et il avait pas mal de défauts, même si c'est un excellent smartphone haut de gamme. Et même si celui-là est un peu lourd, c'est pas dérangeant. Il est extrêmement bien fini en verre, ça épouse bien les contours de la main, donc du coup, on aime l'utiliser. Donc, c'est vraiment un bon produit de Samsung. C'est très étonnant parce qu'on ne les attendait pas sur ce segment. Et maintenant, on a hâte de le tester. Ce produit, on va pas, je vous dis la vérité, on va le renvoyer dans quelques heures à Samsung puisque c'est un prototype, il y a plein de fonctions qui ne marchent pas. On l'aura d'ici quelques semaines en version finale. D'accord. Et là, on pourra commencer les tests. Voilà, en fait, pour tout vous dire, il est venu pour qu'on vous le montre ce soir. Oui, hein, il est vraiment venu pour le plateau du 01 Live. Mais après, la question qu'on peut se poser, c'est que, bon, déjà, un moyen de gamme à 659 €, ça fait cher. Et puis, la deuxième, en rajoutant ces petites fonctionnalités, est-ce que ça ne dévalorise pas finalement le S10, qui est un téléphone, qui est un smartphone haut de gamme, etc. Mais finalement, l'effet waouh là est très à tire-l'œil, quoi. Et on se dit, tiens, est-ce que ça rend pas un peu plus fade le Galaxy S10? C'est une question d'autant plus intéressante que celui-là, il a des fonctions que le S10 n'a pas, comme la recharge ultra rapide. Vous rappelez, il y a quelques semaines sur le plateau, je disais que le S10 avait un gros défaut, c'est qu'il se chargeait moins vite qu'un Huawei ou qu'un autre smartphone haut de gamme. Même s'il y a débat sur la recharge ultra rapide. Lui, il bénéficie de la recharge ultra rapide. Maintenant, ce qu'a fait Samsung, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est une question de design, c'est qu'ils lui ont retiré des petites fonctions qui sont très importantes pour les fans, normalement, comme la prise jack ou le port micro SD. C'est le premier Samsung sans prise jack. Donc, il y a pas mal de trucs comme ça qui fait que je pense que le vrai fan de technologie qui veut un smartphone sur lequel on peut étendre la mémoire va pas aller sur celui-là et ira sur le S10. Donc c'est assez intéressant de voir leur nouvelle stratégie. À l'époque, Samsung, il y a encore quelques années, c'était on met plein de nouveautés sur le haut de gamme et petit à petit on les répartit sur le milieu de gamme jusqu'au prochain haut de gamme. Et là maintenant, c'est quand une fonction est prête, en l'occurrence la recharge ultra rapide, on la met maintenant. Et donc du coup, il faudra attendre le S11. Donc c'est un peu étonnant, mais très bien. C'est une nouvelle stratégie chez Samsung. Samsung A80 que vous découvrez. C'est ça, qui sera disponible fin mai, je crois que c'est 28 ou 29 mai. Alors ça, c'est la première nouveauté. La deuxième, c'est un nouveau Oppo qui va être annoncé officiellement, je crois, la semaine prochaine.
Semaine prochaine ou celle d'après, c'est 24 avril. Voilà, donc c'est dans deux semaines, en effet. Voilà. Mais tellement en avance que... Et donc, c'est en fait, derrière cette nouveauté, il y a aussi une nouvelle marque qui s'appelle Renault, parce que d'après ce que j'ai compris, Renault, ça sera une nouvelle déclinaison de la marque Oppo, un peu comme Huawei, Honor, hein, etc. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, je ne suis pas hyper certain qu'ils vont faire une nouvelle marque. Officiellement, ils avaient communiqué comme on fera une nouvelle marque, mais là, le produit s'appelle Oppo Renault. Ah oui, d'accord. Donc, je pense que peut-être que pour la Chine, c'est une rien nouvelle marque. Rien à voir avec Marion Simon Renault qui... Aucun rapport, dans une ni avec Jean Reno ou Arino Seros, plein de choses. Okay. Je suis en train de travailler sur les jeux de mots. Si vous avez des idées dans les commentaires de jeux de mots avec Renault, Renault, tout ça, je les prends. Il y a les constructeurs Renault. Ça marche aussi. C'est une très bonne idée, on peut le voir comme ça. Mais donc, oui, c'est une nouvelle gamme en fait de produits. Reno en tout cas, celui-là. Reno, tout à fait. Donc celui que j'ai vu, j'étais hier à Zurich pour le lancement du réseau 5G de Swisscom. Puisque oui, en Europe. Sera demain à Shanghai et après-demain à Tokyo. Un peu ma vie. La 5G, ça fait quoi ? Alors, je ne peux pas vous dire parce qu'elle a planté pendant la démonstration, ce qu'ils ne m'ont pas dit. Donc, du coup, ils ont basculé les démos sur le Wi-Fi discrètement en mode oui, regardez, on teste le cloud gaming en 5G. Mais si on regarde, mais c'est bizarre, il est connecté au Wi-Fi. Ah, non, mais il y a un problème avec le routeur, ça va revenir. Donc, je ne peux pas vous dire ce que vaut la 5G, mais en tout cas, je peux vous dire ce que vaut le Oppo Reno, puisque c'était le modèle de démonstration utilisé par Swisscom. Et donc, c'est un smartphone qui, comme le Galaxy A80, dispose d'une caméra qui apparaît avec un moteur. Oui, alors c'est quoi ce truc-là qui sort donc, je crois qu'on a des images, je ne sais pas si en régie peuvent le montrer. C'est donc une encoche en forme d'aileron de requin. Enfin, un pop-up en forme d'aileron de requin. On dirait une boîte de tic-tac. On dirait que le truc est bloqué, il ne sort pas complètement. Je trouve on dirait une boîte de tic-tac, une aileron de requin. Il y a plein d'idées possibles là-dessus. Vrai. Mais c'est un smartphone donc, du coup, qui lui aussi est intégralement bord à bord. C'est un smartphone haut de gamme. Celui que j'ai vu, c'est l'Oppo Reno 5G, qui ne sera pas dispo en France, bien sûr, parce qu'on n'avait pas de 5G. Mais donc, du coup, c'est du Snapdragon 855, c'est du 8Go de RAM, on a un capteur d'empreinte sous l'écran, on a un tri-module caméra avec un capteur 48 mégapixels, avec un zoom périscopique comme le Huawei P30 Pro. Donc, on a du x10. x10, x5, x10, exactement la même chose. Je trouve ça d'ailleurs hallucinant que deux marques rivales sortent le même produit à deux semaines d'intervalle. C'est bizarre. Ça sent pas du tout l'espionnage industriel. Il y a clairement quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne voit pas, mais il n'y a pas de hasard pour que deux marques sortent en même temps une technologie révolutionnaire. Souvent d'ailleurs, les technos arrivent comme ça en même temps. C'est ça qui est assez impressionnant. Non, là, il y a vraiment deux semaines d'intervalle. C'est complètement fou. C'est comme le capteur d'écran, le capteur d'empreinte sous l'écran, il est arrivé pratiquement en même temps. C'est ça. Oui, mais là, pour le coup, il y a une justification. Oui, c'était Snapdragon. Oui, c'est Qualcomm qui fait l'ultrasonique, mais l'optique, c'est une marque chinoise qui fait ça. Mais en effet, c'est elle qui équipe tout le monde. Mais là, il n'y a pas de justification, car Huawei a fait en interne son zoom x10 et Oppo a fait en interne son zoom x10. Donc, je ne sais pas d'où ça sort. Et le troisième capteur, c'est aussi un ultra grand angle, donc il n'y a pas de capteur TOF là-dessus. Donc, c'est un smartphone vraiment, vraiment haut de gamme, qui a un design que je trouve très sympa. Le prix, tu l'as donné ? Bah non, parce que je ne l'ai pas, on aura le 24 en fait. On a juste pu jouer avec un petit peu, tester le zoom. Bon, tester la 5G, on n'a pas pu le faire malheureusement, mais à la base, c'était le but. On a testé notre smartphone 5G. Quelque chose qui m'a énormément étonné, c'est que Oppo ne met plus de recharge ultra rapide sur ses téléphones. Et ils avouent eux-mêmes qu'ils ne veulent pas jouer avec le feu parce que la 5G, notamment, ça consomme beaucoup d'énergie, il faut des grosses batteries et ils n'ont pas envie de se prendre un scandale à la Galaxy Note. Bien sûr. Donc, du coup, dans le doute, ils préfèrent rester sur une recharge rapide normale. Donc, il va se recharger en une heure, donc c'est pas non plus ultra rapide. Mais enfin, on a connu des Oppo qui se rechargeaient en 30 minutes. Ouais, ça ne sera pas le cas sur celui-là. Mais c'est vrai que les batteries morflent avec la recharge. Complètement, oui. Ce qu'ils avaient fait sur le Find X, c'est qu'il y avait deux batteries. C'est-à-dire qu'ils alternaient, ils faisaient 5 minutes sur une, 5 minutes sur l'autre, 5 minutes sur l'une, ce qui permettait de protéger la batterie. Là, à mon avis, il y a une batterie, ce qui explique cela. Et donc, ce modèle 5G ne sera pas dispo en France, il sera dispo en Suisse. Par contre, le 24 avril, ils vont montrer deux téléphones. Ça sera le Oppo Reno normal, Oppo Reno tout court, qui aura un processeur Snapdragon 710, donc un smartphone milieu de gamme. Attention, le Oppo Reno 10 Times Zoom Edition, qui est lui un smartphone haut de gamme avec le zoom x10 et qui lui débarquera en France. D'accord. Mais ça sera exactement le même design avec l'aileron de requin. Mais celui qui sortira en France va être présenté dans deux semaines, il aura le zoom x10 ? Le 10 Times Zoom Edition l'aura. Ah, celui haut de gamme. Oui, voilà. Oui, c'est vraiment. Moi, j'achète le 10 Times Zoom Edition, s'il vous plaît. Peut-être que ça ne sera pas le nom français, mais en tout cas, c'est le nom qui a été annoncé en Chine. Et nous, le seul qu'on a pu voir officiellement, c'était le Oppo Reno 5G. C'est le seul qui est officiel. Les autres, officiellement, n'existent pas selon Oppo. Merci Nico. Merci à vous. Nicolas, tu restes avec nous. Tout à l'heure, voilà, dans le labo, pour parler du Redmi 7. Et non pas du Redmi Note 7, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que ça, c'était présentation de ce qui vient d'être annoncé. Et dans le labo, vous savez, on va parle plus loin, on décrypte, on a testé. Parfait.
On enchaîne avec un autre titre d'actu, cette fois-ci complètement différent, puisque nous allons du côté de la Gaîté Lyrique, Jérôme. C'est à Paris, la Gaîté Lyrique, c'est une salle de spectacle, d'exposition, etc., où se déroule actuellement une exposition. On ne parle pas souvent d'expo dans 01 Live, mais aujourd'hui on en parle avec Marion Simon-Reynaud. Bonjour Marion. Bonjour. Donc c'est la première apparition dans le 01 Live. Et on est très heureux de te recevoir ici. Et bienvenue Marion. Tu es la bienvenue. De la rédaction de 01net. Et tu es allé voir cette expo qui nous intéresse parce qu'évidemment ça parle de tech, mais pas que de tech, ou en tout cas d'une certaine manière. Alors effectivement, c'est une expo qui se déroule à partir du 14 mars, donc qui a déjà commencé, jusqu'au 14 juillet, et qui rend hommage en fait au rôle des femmes dans l'informatique. Et qui revient sur des portraits notamment de femmes capitales dans l'histoire de la tech et de l'histoire inversée et contrariée parfois entre les femmes et l'informatique. Eh oui. Comme souvent dans les sciences où on a mis en avant les hommes et pas tellement les femmes. Quoi. Effectivement, alors qu'elles étaient, elles ont un rôle majeur en fait, et notamment dans les années 70-80 où elles étaient presque majoritaires. On vantait d'ailleurs ce secteur comme le secteur féminin par excellence pour qu'elles y travaillent. Et d'ailleurs, le titre de l'expo vient de là, vient d'un article de Cosmopolitan, donc vraiment le magazine féminin par excellence, en 1967, qui vante l'informatique comme le secteur pour les femmes d'avenir. Ah, oui. Et c'est en fait dans les années 90, c'est ça, toute l'expo le retrace. Il y a une inversion en fait de la courbe, il y a une appropriation par les hommes, donc de ce secteur-là. Et alors, il y a cette expo qui s'appelle Computer Girls. Computer Girls, effectivement. Ouais. Et alors, il y a plusieurs femmes qui ont vraiment compté, en fait, dans l'histoire de l'informatique. Hein. Et alors, effectivement, la première d'entre elles, c'est Ada Lovelace, je me suis perdue, qui est donc la première programmatrice, en fait, du monde. Puisque dès le 19e siècle, en fait, elle est à l'origine d'un programme dans ses carnets qui n'aura jamais... La dame qu'on voit là, elle est étonnamment coiffée. Hein. Oui, mais attends, c'était le 19e siècle. C'était la fille du poète Lord Byron. Ah, oui. Exactement. Et c'est l'inventeuse de la programmation informatique. En fait. Alors, c'est marrant comme anecdote, c'est parce que sa mère ne veut pas qu'elle devienne poète comme son père qu'elle lui fait apprendre les maths. Et par cette passion pour les mathématiques, elle se met à créer le premier langage informatique. Et d'ailleurs, en 1980, des codeurs lui rendent hommage en créant le premier langage qui s'appelle ADA. Donc voilà, c'est une histoire contrariée qui mérite le coup d'œil à la Gaîté Lyrique. Il y a d'autres femmes comme ça qui ont marqué Alors oui, il y en a énormément. Hein, mais par exemple, on peut citer Margaret Hamilton, qui est, quand le premier homme faisait le premier pas sur la Lune, elle était aux commandes donc des systèmes informatiques pour faire décoller en fait, la fusée de la mission Apollo 13. Et donc c'est elle qui va en fait créer le... Qui va calculer tout ce qui va permettre donc... de faire des missions. Le premier pas de l'homme sur la Lune, c'est grâce à une femme. Et voilà. Exactement. C'est ça. Un grand pas pour la femme, finalement. Formidable. Génial. Super. Ensuite, on a aussi une autre partie de l'expo qui est assez intéressante, qui questionne plutôt les représentations sur Internet et dans les nouvelles technologies. Et donc, il y a 23 artistes qui s'amusent, en fait, avec des vidéos, des casques de réalité virtuelle, des imprimantes 3D et qui questionnent effectivement cette neutralité supposée. Il y a même une expérience, hein, je crois, qu'on peut faire en chaussant un casque de réalité virtuelle. Oui, effectivement, c'est donc dans un espèce de salon de coiffure, un magasin virtuel, on met un casque de réalité virtuelle et puis on se retrouve dans la peau d'une femme noire. Donc c'est vraiment cette question de est-ce que la technologie est neutre, est-ce que tout ce qu'on voit sur Internet est le reflet de la diversité du monde, du vrai monde. Donc ça vaut le coup. Et puis il y a aussi des conférences qui questionnent toutes ces choses et des ateliers, par exemple, il y a un atelier Les 100 pages qui rédige des portraits de femmes dans l'informatique sur Wikipédia. Voilà. Donc c'est très collaboratif comme expo et ça vaut le coup. Je vous invite à y aller. Super. C'est jusqu'au 14 juillet. Donc, à la Gaîté Lyrique à Paris. N'hésitez pas. Voilà. Et puis il faut plus de femmes dans la tech. Hein. Voilà, si vous êtes une fille ou si vous avez une sœur, etc., engagez-la et incitez-la à aller vers les écoles d'ingénieurs, vers la programmation, etc. D'ailleurs, la Gaîté Lyrique le fait puisqu'il y a aussi des ateliers pour donner envie aux jeunes femmes et même aux femmes plus adultes hein, de coder, en fait. Donc, il y a des programmes
de débutants pour apprendre voilà, le langage informatique. Et c'est très intéressant qu'il y ait aussi cette démarche voilà, d'interagir avec le public. On voit qu'il y a quand même encore des barrières, parce qu'on se souvient, on est allé à l'école 42, moi je me souviens très bien de cette immense pièce où on voyait des codeurs, il y avait 98% d'hommes. Quoi. Enfin, il y avait 2% de femmes, c'était très très peu. Et pourtant. Bah ça, c'est un grand débat. Hein, pourtant. Oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant, puisque aujourd'hui, elles sont 15% dans les métiers techniques du numérique. Ouais. Or, dans les années 80, elles étaient jusqu'à 50%. C'est incroyable en fait. Que ça se soit inversé à ce point-là. Et cette courbe qui n'est jamais remontée, en fait, c'est. C'est ce que veut expliquer, en tout cas, cette expo qui rend hommage donc, à ces femmes majeures dans l'histoire de la tech. Marion, merci. Merci à vous. Et vous restez avec nous la suite de ce Zéro en live dans un instant, avec un point sur notre question Zéro Net Orange. Et puis l'arrivée de Pierre Fontaine pour nous parler, entre autres, des nouveaux iPads. Après notre monsieur smartphone, notre monsieur Apple est là. Pierre Fontaine, bonjour. Salut. Salut Pierre. Welcome in the new studio of the... Ah oui, ça c'est très joli. C'est joli papaye. Alors justement, tiens... Il frime, hein, t'as vu avec ses nouveaux iPads. Avec ses trucs roses. Hop là. Le papaye à toi. Non mais c'est rigolo cette couleur, on se dit c'est du rose, c'est du orange, c'est du orange, c'est du rouge. La réponse c'est que c'est du papaye. J'ai vérifié. Tu peux le montrer comme ça là ? Oui, bien sûr, je peux. C'est du papaye ou de la papaye ? Ben là c'est couleur papaye. C'est couleur papaye. C'est la nouvelle couleur à la mode chez Apple, hein, c'est ça ? Faut croire. Il y a même un bracelet pour la watch de cette couleur. Oui, non, c'est en fait effectivement chaque saison ils déclinent des nouvelles couleurs un peu sur tous les accessoires. Apple est une marque de mode, ne l'oublions pas, avant d'être une marque de tech. Je crois que c'était qu'une marque de luxe. La question. Avant de parler d'Apple. Oui. La question du jour. Ben, justement, ça ne parle pas de papaye, mais on parle de tablette. Utilisez-vous une tablette chez vous, hein, tablette genre iPad. T'as quoi ton chiffre, toi? Écoute, moi j'ai des résultats quand même assez contrastés. 29% oui souvent, 24% quelquefois et 47% jamais. 47% jamais. C'est dingue quand même. Pratiquement 1 sur 2 n'utilise pas de tablette. En fait. Ça se voit un petit peu dans les chiffres de vente des tablettes qui se sont effondrés ces dernières années. Enfin, même si Apple a réussi à revenir à un niveau de stagnation, légère croissance avec ses iPads, il n'y a plus grand monde sur le marché, il faut bien le dire. Enfin, si, il y a quelques tablettes Samsung qui valent le détour, mais il n'y a plus une offre pléthorique. C'est peut-être aussi simplement parce que les gens ne l'achetaient pas, parce qu'il n'y a pas forcément un rendu ou un service satisfaisant pour les prix que les personnes jugent. Ça dure des années, une tablette. Aussi. On n'est pas obligé de renouveler. Il y a quelque chose d'important, c'est que les tablettes n'ont pas tellement grandit alors que les téléphones le font. Et on a des téléphones de plus en plus immenses, ça va aller encore plus en plus dur avec les téléphones pliables. Donc oui, les tablettes sont un petit peu attaquées entre deux marchés. Alors Pierre, tu es là parce que en fait des nouveaux iPads sont sortis. et ce qui est intéressant, c'est que l'iPad mini qui était un peu laissé sur le côté depuis pas mal d'années. Même beaucoup. Hein, ouais. C'est des dernières nouvelles qu'on a eues, c'était en 2015, donc voilà. Ça commence à dater un poil. Hein. Pour la tech, c'est énorme. Hein, Non seulement c'est énorme, mais effectivement, pour rebondir sur ce que disait Nicolas, pendant longtemps, on a vu les iPhones grandir. On s'est dit, OK, bon, l'iPad mini, lui, on met une balle dans la nuque, c'est fini, on n'en parle plus. Et en fait, effectivement, il est toujours vivant. La preuve, ils l'ont mis à jour et c'est une bonne nouvelle. D'autant plus une bonne nouvelle qu'en fait, il n'est pas positionné comme une tablette d'entrée de gamme chez eux. Il est positionné comme une tablette qui a un format spécifique qui est à part. C'est malin. Hein, la preuve, c'est pas la tablette la moins chère. Hein. Elle est à peu près 100 euros de plus que l'iPad qui a été introduit en mars 2018. Vraiment, l'idée, c'est vous voulez une tablette pas trop grosse, vraiment pour faire de la consultation de contenu, pour regarder quelques films, surtout surfer et lire, etc. Bah voilà, on vous la met à jour. Si vous voulez jouer aussi, on a un gros marché professionnel aussi de la tablette. Il y a aussi un gros marché professionnel. Les restaurants, tout ça. Voilà, exactement. Enfin, alors c'est vrai surtout aux États-Unis, mais parce qu'il y a notamment des solutions de paiement qui se greffent sur la tablette. Mais oui, effectivement, ça peut être un terminal très peu encombrant, léger, 300 grammes, et qui donc a de multiples usages et qui a surtout aussi une
une communauté de fans. J'en fais plus ou moins partie, on va dire. Ouais. Mais effectivement, pour lire, c'est génial. Pour jouer, c'est un bon terminal de jeu. Et alors, ce qui se passe, c'est que l'édition 2015 commençait un petit peu à ramer. Moi, je me souviens, j'en ai un d'iPad de 2015. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'avait pas cette fluidité qu'on a, par exemple, avec les derniers iPhones. Tout à fait. Avec les derniers iPads, il était temps aussi de le remettre au niveau technologique d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que là-dedans, on trouve en fait la puce qu'on a vu arriver avec les derniers iPhones, hein, 10S, 10S Max et 10R. Donc c'est la 12 Bionic avec tous ses coprocesseurs, son réseau neuronal intégré, etc. Et donc on retrouve dans une toute petite tablette en fait, qui obtient plutôt une très bonne autonomie. On est à peu près dans la promesse des 10 heures. Et malgré cette puissance, on a une promesse tenue au global. Et donc on peut effectivement reprofiter à nouveau de la fluidité de tous les usages. Quoi. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle n'a pas changé de form factor, elle n'a pas adopté le format de l'iPad Pro. Alors ça sera mon regret éternel, c'est peut-être un peu fort, mais effectivement, en fait, en sortant l'iPad Air et l'iPad Mini, Apple confirme ce qu'on craignait, c'est le nouveau design, les nouveaux usages, c'est du côté du pro. Mmh, vous voulez du grand public, vous vous contentez du Touch ID, qui est très bien. Enfin, moi, j'aurais tendance à préférer le Touch ID sur les iPhones, mais j'aurais adoré avoir un Face ID sur les tablettes parce que ça s'y prête parfaitement et on aurait eu droit à un écran beaucoup plus large ou même un boîtier plus petit pour une dalle aussi grande. C'est ça, Pierre, qui est un peu choquant, c'est qu'on est en 2019, on parle d'écran bord à bord et on se retrouve avec un bon vieil iPad des familles de l'époque de 1980. Je trouve qu'on a un très joli contraste entre Apple qui n'innove pas en tout et des téléphones peut-être trop innovants, qui presque gadgets. Voilà. Et c'est vrai qu'on a vraiment, ces deux tablettes, qui sont de très bonnes tablettes, sont hyper classiques, voire trop classiques dans leur design. Surtout en blanc, je me rends compte qu'en blanc, c'est violent quand même. En blanc, ça fait très mal, c'est effectivement, on voit les bordures sont vraiment comment. Alors après, l'écran bénéficie de toutes les technos qu'on avait dans les derniers iPad Pro, sauf la technologie ProMotion. La technologie ProMotion, c'est celle qui consiste à faire varier la fréquence de rafraîchissement de l'écran selon les usages. Donc là, on a droit au True Tone qui va adoucir la couleur de l'écran et la puissance de l'affichage en fonction de l'éclairage ambiant, on va dire. On va retrouver la techno P3 qui veille à la fidélité des couleurs. Donc c'est un des meilleurs écrans, c'est le meilleur écran qu'on ait eu dans un iPad Midi et le meilleur écran qu'on ait eu dans un iPad Air, parce qu'il y a aussi l'iPad Air qu'il ne faut pas oublier. Mais effectivement, extérieurement, rien ne change. Alors juste, je termine pour enfoncer le clou sur le design, c'est vrai que surtout sur un petit iPad comme ça, si on avait eu du bord à bord avec un écran un peu plus optimisé, plus moderne, ça aurait vraiment du sens parce qu'on se serait retrouvé avec un petit appareil et une grande surface d'affichage. Je vais me faire la voix, j'ai un petit démon sur l'épaule et je me suis posé la même question et je me suis dit mais mince, pourquoi? Et en fait... je me suis dit pourquoi ne pas l'avoir fait vu que c'est un appareil à part. Et en fait, il y a une question de rentabilité. C'est pas l'appareil qui va s'écouler le plus dans la gamme des iPads. Donc investir dans un nouveau design, c'est pas forcément rentable. Et puis deux, ça viendrait complètement. Mais ça, excuse-moi, mais c'est pas un bon argument pour le consommateur. Je sais pas si je disais le petit diable. Ah oui, mais c'est un argument industriel. Et ça va complètement combien, rappelez-moi combien ça coûte ce truc-là? C'est là, celui-là, c'est 500. Ouais, voilà. Voilà. Enfin, ouais. Non, 359, 439. D'accord. Et la deuxième raison, alors ? Et la deuxième, c'est que chez Apple, comme je le disais tout à l'heure, la technologie et la nouveauté évoluent en ruissellement. Ouais. On commence toujours par le haut et on ruisselle. Donc on peut pas, même si c'est une tablette à part, on peut pas décemment introduire comme ça. Ça ruisselle lentement, en fait, on va dire. Ça ruisselle moins vite que j'aimerais, mais voilà, c'est aussi une façon de différencier la gamme. Et le stylet ? Le stylet. Donc ça, c'est la nouveauté aussi. Ça, c'est une nouveauté. Alors, c'est pas une nouveauté pour... Enfin, si, c'est une nouveauté pour le Air, si qu'on s'arrête à l'appellation Air. Mais en fait, c'est un iPad Pro 10,5 pouces sorti en juin 2017 qui a été repackagé. On lui a remis une petite étiquette Air, un nouveau processeur à l'intérieur pour qu'il soit plus puissant. Et il est effectivement plus puissant que l'iPad Pro, 10,5 pouces. Donc, effectivement, on a le stylet première génération qu'on retrouve compatible
Avec les deux iPads, mais pourquoi en même temps. Première génération et pas. Alors, première génération. Pas seconde génération. Parce que le. Alors, une fois encore, petit démon, machin, etc. l'iPad, l'Apple Pencil de deuxième génération, que je préfère de très loin, pour son biseau qui offre une meilleure tenue, pour son système de recharge, pour le petit widget qui donne le taux de charge de l'appareil, est bien meilleur. Néanmoins, si on veut mettre. La petite bande magnétique et de recharge sur l'iPad, on est obligé de changer le form factor, le design qu'on n'a pas changé. Et voilà, on a bouclé tout, la boucle. Tout se tient. On a bouclé la boucle, ce qui fait qu'on se retrouve avec un stylo qu'on va recharger en Lightning ou avec le petit adaptateur. Ce qui fait qu'on ne le fait jamais parce que c'est il n'y a plus beaucoup de batterie. Je vais recharger. Mais je dois partir. Je rechargerai plus tard. Ouais. Et quand on va s'en servir, ça marche plus. Après, donc on s'en sert pas. Voilà. Donc il est moins pertinent que l'Apple Pencil 2. Néanmoins, pour ceux qui sont moins tête en l'air que moi et qui pensent à le recharger, c'est nickel, il fonctionne très bien, il est précis, il offre tout ce que l'Apple Pencil de première génération offrait, et il l'offre effectivement sur toute la gamme d'iPad grand public. Bon, ben voilà, c'est deux iPads. On n'a pas parlé du prix de l'iPad Air. L'Air, ouais, alors ça, à partir de. L'Air est cher, l'Air est plus cher. L'Air se raréfie. Juste aussi, quand même, pour dire, ce qui est intéressant, c'est que donc le mini, cette génération mini est entre 7 et 8 fois plus performante que la dernière génération. Donc, pour ceux qui disent est-ce que ça va vraiment marcher, oui, ça va vraiment marcher. Mm-hmm. Et l'Air, l'iPad Air, en fait, il se place pile poil à la front, un peu en dessous des iPad Pro 11 pouces en termes de performance. Mm-hmm. Ce qui veut dire que on aura clairement toute la puissance dont on a besoin pour faire de l'AR, pour faire même du graphisme, la création 3D, etc. On n'aura aucun problème. Donc on a une gamme qui est en termes de puissance, de construction, à la fois de la configuration, de prix et de résultats obtenus, qui est vraiment hyper bien construite, enfin. Non, mais il y a beaucoup de modèles, quoi. Aujourd'hui, tu rentres dans un Apple Store pour acheter des iPads. Pas tant que ça. Enfin, oui, il y en a plus qu'avant, mais on a à chaque fois, on a des usages clairs. Ils ont segmenté. On a ça qui est un petit peu hors norme, qu'on va donc trouver et qui est bien. Ensuite, on a l'iPad classique 9,7 pouces qu'on trouve et qui est le modèle qui casse les prix. Ensuite, on a celui-ci pour ceux qui veulent avoir presque la puissance d'un pro, mais sans avoir les moyens d'un pro. Puis ensuite, on a le 11 et le 12,9 pouces. Et ce qui fait qu'on a une gamme, qui est plutôt bien construite. Il me semble que tu n'as pas donné le prix du R. Si je ne veux pas dire de bêtises, c'est 549, je crois, il me semble, de mémoire. Je ne sais pas en tête. Site d'Apple. Il y a les prix sur le site. Oui, il y a le site d'Apple. Non, c'est on est ça. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé papaye, exhaustif. Donc on peut le dire, concernant les nouveaux iPads. Ouais. C'était la séquence agrumes. Et nous passons au dessert maintenant. Je ne sais pas si la papaye est un agrume. Je me pose la question, je ne pense pas. C'est une bonne question. Je n'osais pas soulever la question, qu'il y a un vrai débat. Mais je ne pense pas. On ne va pas en breaking news. On parce que des fois, tu me bats sur des trucs. Ah, c'est un fruit, qui sont quoi. Parfois discutables, oui, mais oui. La papaye, à mon avis, n'est pas un agrume. Nico, le Redmi 7. Oui, avec une boîte papaye. Je tiens à le dire, parce que je vous vois parler depuis tout à l'heure. Oui, mais c'est vrai. Chez Xiaomi aussi, il y a du papaye. J'ai l'impression que... C'est un peu la nouvelle tendance. Tout est pensé. Tout est pensé, oui. Chez Xiaomi, il n'y a pas de hasard. Apple fait du papaye. Ouais, parce qu'il a fallu que tu ailles sur Internet pour avoir la confirmation. Vérification Papaye. D'accord. Ok. Très bien. Sur papaye.com. Donc, attends, il y a des trucs trompeurs. La tomate est un fruit. Excuse-moi. Oui. Oui. Bonjour. C'est moi qui te l'ai. Non, il vient d'être annoncé en France. C'est le Redmi 7, qui est la gamme Redmi, c'est la gamme d'entrée de gamme. La gamme d'entrée de gamme, ça veut rien dire. Bon, c'est l'entrée de gamme de Xiaomi en tout cas. Donc, c'est des produits qui sont généralement sous les 200€ et qui sont plutôt bons. Dans le passé, ils ont fait d'excellents produits et l'année dernière, c'était un peu la catastrophe puisque le Redmi 6 était vraiment mauvais. On l'avait vraiment assommé sur 01net parce qu'il y avait un mauvais choix de processeur, il y avait un mauvais choix de composants et qui faisait que tout était mauvais plutôt. C'était lent, il y avait des problèmes de fluidité, l'appareil photo n'était pas à la hauteur. Et là, cette année, ils font complètement l'inverse de l'année dernière. C'est-à-dire qu'ils remettent un processeur Snapdragon, ils améliorent donc les performances, il y a enfin un bon appareil photo, on passe à un dos avec une imitation verte qui est très jolie, et donc Xiaomi remonte en gamme sur les Redmi. Mm-hmm. Pourtant, on conserve un prix intéressant, c'est 169€. Waouh. Ah ouais. Donc ah ouais. Voilà, 169€ pour un écran bord à bord avec une encoche qui est plutôt léger, qui est assez performant. À l'intérieur, j'ai devant moi la fiche technique et les résultats du laboratoire. On a un processeur Snapdragon 632. On a une batterie de 4000 mAh,
Donc c'est beaucoup et selon nos mesures, ça nous donne donc une autonomie polyvalente de 13h37, ce qui est de quoi tenir largement une journée et aller en soirée. Donc c'est vraiment pas mal. Malheureusement, on reste sur du micro USB, donc pas de recharge rapide. Sur cette gamme-là, c'est normal, hein, vu les prix. Et on a vraiment un produit qui est plutôt de bonne qualité. Côté on photo, qu'est-ce que ça donne? Pour 179 euros, ça va? Ni mauvais, ni génial. J'ai pas, disons que deux jours, sincèrement, on ne peut pas lui demander mieux. Quoi. C'est, la qualité est bonne. C'est dingue, parce que là, franchement, on se rapproche vraiment du smartphone très homogène à moins de 200 euros. Ah, complètement, mais par contre, de nuit, ça a du mal. Il y a des problèmes de gestion de lumière, l'autofocus n'est pas le meilleur. Mais disons qu'à ce prix-là, c'est quand même avec Jérôme, compliqué de faire mieux. Ouais, par contre, moi, on est couché. Moi, la nuit, j'ai du mal, de toute façon. Voilà, c'est ça. Je vais quand même lui donner un gros bémol. Le problème de Xiaomi, c'est qu'à force de sortir un smartphone toutes les semaines, il y a une gamme encore plus compliqué que celle d'Apple. C'est-à-dire que celle d'Apple, elle est vraiment ultra simple à côté. Et d'ailleurs, enfin, ça a plus de sens les iPads que ce qu'on voit chez Xiaomi où il y a des téléphones avec 10 euros d'écart. Mmh. Et là, celui-là, il coûte 169 euros. Et le Redmi Note 7, qu'on a présenté il y a deux semaines, lui coûte 199 euros. Ouais. Et le truc, c'est que ce téléphone-là, il a un meilleur écran, il a une meilleure autonomie, il a de l'USB-C, il a un meilleur appareil photo de 48 mégapixels. Donc c'est difficile de le faire. Je ne vois pas en fait pourquoi, sincèrement, économiser les 30 euros. Je sais que 30 euros, ça peut être beaucoup pour certains budgets, mais les 30 euros d'écart sont complètement justifiés entre le Redmi Note 7 et le Redmi Note 7. Il y a un gouffre entre les deux, en fait, finalement. Ouais, j'ai du mal à lui trouver une place dans la gamme. Je trouve que, vu à quel point Xiaomi casse les prix aujourd'hui sur ses meilleurs produits, c'est un peu dommage en fait, de choisir le modèle d'entrée de gamme. On a un peu de mal à suivre hein, la stratégie des constructeurs aujourd'hui. D'ailleurs, il y aura une nouvelle annonce de Xiaomi la semaine prochaine, pour info. Enfin, on ne sait pas encore quel téléphone, mais il y a un nouveau téléphone qui arrive la semaine prochaine, donc ça n'a aucun sens. Mais... bon, bah merci Nico en tout cas. Merci à vous. Les tests à retrouver sur zeronet.com. On peut faire un petit mot, ça va être très rapide, oui, parce que je vais de nouveau la montrer sur... Jordan prépare quelque chose, la caméra peut switcher sur... Il va faire une entrée spectaculaire, un petit teasing, voilà. Restez là, parce que vous n'avez pas le droit de regretter. Il y a quelques semaines, moi-même, je vous ai présenté la Huawei Watch GT, donc qui est la montre de Huawei à 200 euros, qui ne tourne pas sous Android, elle tourne sous un système propriétaire, qui est absolument mauvais d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Et donc celle-là, c'est la Watch GT élégante. Donc sa particularité, c'est qu'elle est élégante. D'accord, bon, alors, question de point de vue. C'est une particularité, que... ouais. Voilà. Sincèrement, elle est plus petite aussi, elle a un 40-42 mm, alors que c'était 46, donc c'est ce qui la rend soit justement élégante. Je pense que c'est de là que vient le nom. Là, ici, on a un bracelet blanc, un cadran blanc. Ni joli, ni incroyable. Par contre, on a les mêmes problèmes qu'avant. C'est-à-dire que... Mais elle tourne sous quoi, ça, là ? Sous un système maison Huawei, qui est vraiment pas bon. Mais non, mais en fait, c'est une montre pour ceux qui veulent une montre connectée. On reçoit les notifications dessus. Ouais. OK. On a des suivis de santé. En fait, c'est une montre. Ok, c'est tout. Sincèrement, ça n'avait pas plus. Mais même, elle a du mal à dire. Bon marché. Ah, au fait, elle est. Non, mais il y a un truc pire, c'est qu'elle a presque du mal à dire l'heure. Pour de vrai. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes dans le panneau de notification et que vous cliquez sur le bouton pour retourner à l'heure, l'aiguille des secondes est à l'endroit où elle était avant. Donc, du coup, il faut attendre deux secondes pour qu'elle se remette au bon endroit. Et donc, moi, je trouve ça hallucinant. Et ce qui est une preuve, en fait, qu'à l'intérieur, c'est vraiment. Pas puissant du tout, c'est très lent, c'est quand on essaye d'ouvrir un menu, il faut attendre deux secondes avant qu'il apparaisse, donc il faut vraiment être patient. Maintenant, elle a un avantage, elle a un sacré argument, c'est qu'elle a une semaine d'autonomie, et que je l'ai depuis 4 jours à mon poignet, et que nous sommes à... Attendez que ça charge... 68% d'autonomie. Et je la garde la nuit pour le tracker de sommeil, je l'ai utilisé pour mesurer mon activité sportive. 199 euros. Donc disons que c'est compliqué de dire que c'est un mauvais produit. C'est une bonne montre connectée pour celui qui veut une montre, qui reçoit ses notifications et qui veut quelque chose qui n'est pas un bracelet. Mais non, c'est amusant comme Huawei frise l'excellence dans le smartphone. Ouais, et sur le reste, dans la montre, bon. Voilà, on voit que c'est pas prioritaire et que toute leur énergie, ils la dépensent dans les téléphones. Je trouve pas tellement ça amusant. Un truc que je remarque, c'est que sur le hardware, Huawei est excellent. Ils sont vraiment les meilleurs, peut-être, aujourd'hui. Ils font d'excellents produits. Par contre, sur le logiciel, on passe notre temps à dire que MUI est une des moins bonnes surcouches du marché sur Android. Enfin, elle est ultra complète, mais je trouve que l'interface n'est pas bonne. Là, j'utilise le P30 Pro en principal depuis maintenant deux semaines. Et là, je l'avais par exemple hier à Zurich pour le lancement Oppo. Et le nombre de bugs que j'ai quand je suis dans une application, parce que ça saute, ça change d'application, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y a des problèmes d'optimisation, c'est immense. Et je pense, là, c'est un logiciel complètement maison, puisque c'est un OS qu'ils ont créé eux.
Et c'est l'OS le problème. Donc c'est la preuve que Huawei devrait peut-être embaucher énormément côté logiciel s'ils veulent battre Samsung comme ils espèrent le faire cette année. Merci Nico. Merci à vous. Et merci à Pierre Fontaine d'avoir été là. Vous restez avec nous dans un instant. Jordan Cosino et son rendez-vous avec sa sélection de petites nouveautés insolites du web. À tout de suite. Attention, mesdames et messieurs, bienvenue à je ne sais pas quoi, mais Jordan doit arriver toi. Normalement dans ce studio, les amis. Est-ce que... Bonjour, messieurs. Regardez... Allez, bonjour, vas-y, mais plus le vite. Oh là là, il est superbe. Ah ouais. Savoir qu'on a un studio très petit et que j'ai peur de me casser la gueule. J'ai trouvé ça dans la rue. Je me suis permis de prendre. T'as trouvé ça dans la rue. Ouais, j'ai trouvé ça. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Je récupère mon téléphone. Hop. Alors, ce beau vélo, c'est pas le mien. Salut Jordan et bienvenue. Bonjour, oui, ça va. Comment ça va? Mais ça va bien. Vous voulez un truc, je vous dépose quelque part. Bon, je me suis permis de ramener ceci. Je voulais mettre Nico dedans au début, puis je me suis dit, il va avoir des problèmes. Qu'est-ce que c'est que ce beau vélo? En fait, c'est Uber qui lance aujourd'hui à Paris un service. Donc, qui existait déjà, qui s'appelle Jump, mais qui l'associe à son appli. Et maintenant, dans l'appli Uber, vous pouvez, si vous êtes sur Paris, trouver des vélos et des trottinettes comme ce beau vélo. Mais il est pas mal, hein. Il est pas mal, mais il est très très lourd. Je vais pas vous mentir, il fait 32 kilos. Il est assistance électrique ou pas? Il a assistance électrique jusqu'à 25 km/h. Pour les prix, on est sur 1 euro de frais de déverrouillage et 15 centimes la minute, ce qui se fait chez Lime, Bird et les concurrents. Donc c'est pas super, enfin c'est pas plus cher qu'ailleurs. Et à y savoir y a Bolt que pour, aussi qui fait ça, Bolt aussi, oui, ouais. C'est ça. Bolt en fait qui a Lime en fait. Bolt c'est Taxify qui s'est rappelé Bolt et qui ensuite a fait Lime. Et donc c'est à savoir que pour l'ouverture, pendant les 3 premières semaines d'ouverture, les 1 euro de frais obligatoires sont offerts. Donc c'est 15 centimes la minute pour l'instant, et c'est un service qui va arriver un peu partout, je pense. 15 centimes la minute. 15 centimes la minute pour l'instant, vu que tu n'as pas à payer les 1 euro de frais de mise en service. Donc si tu as un quart d'heure de vélo, par exemple, plus 1 euro, ça te fait… Je vais te faire le calcul parce que je suis très mauvais. Ne bouge pas, ça fait 1,50€, ça fait 2 euros. Ouais, ça fait 3,20 à peu près. 3,20, d'accord. Grosso modo. Donc 15 minutes de vélo. Voilà, c'est ce qui se fait ailleurs, c'est à peu près les prix partout. À savoir qu'il y en a 500 trottinettes et 500 vélos sur Paris et que possiblement ils vont lancer ça un peu partout histoire de s'imposer. Donc un nouveau concurrent sur ce secteur où il y a déjà pas mal de monde. Ça commence à faire. À Paris, on a beaucoup de gens et puis partout ailleurs. Je suis de Lyon. À Lyon, il y en a de partout, je sais. Et c'est lancé là ces jours-ci ? C'est aujourd'hui, en fait. C'est aujourd'hui, normalement. Bon, moi, je ne l'ai pas sur mon appli, mais Pierre Fontaine, que vous avez vu tout à l'heure, l'avait sur son appli. Donc cool, je n'ai pas regardé. Regarde en direct si tu veux. Mais donc voilà. Plutôt sympa, assez sympa, mais très très lourd par contre. Enfin, je vous invite à essayer de le bouger, c'est une grosse machine. Alors peut-être tu l'as dit, mais il y a combien de vélos qui sont arrivés là, qui arrivent ? 500 vélos et 500 trottinettes, vu que c'est un service, c'est vélo et trottinette. Et le vélo est au même prix que la trottinette, par exemple ? Si on peut montrer sur le téléphone de Pierre Fontaine, vous allez voir. J'ai pas des tonnes de réseau, donc... Puis je pense que l'appli est un peu surchargée, mais voilà, si on peut le montrer... En plus de courses, tout en haut de l'application, on a maintenant... En plus de course. Ah oui, vélo et trottinette, je l'ai vélo aussi. Vélo et trottinette tout en haut de la piste. Bah voilà, je sais quand je vais rentrer. J'ai hâte de voir ça. Effectivement, il y a beaucoup de points rouges. Tu veux que je te montre? Donc voilà. Ah, encore tous ces vélos qu'on va garer n'importe où, ça va être un enfer. Mais c'est vrai que maintenant, il faut pousser les trottinettes pour marcher sur les trottoirs. Ils conseillent de dire faites attention à ne pas déranger les autres en le garant, etc. Mais bon, voilà. Là, on peut voir sur l'appli. Les points rouges, c'est Paris qui a la varicelle. Non, Paris a la varicelle. C'est ça. Et c'est dans Paris. C'est que Paris pour l'instant ? Pour l'instant, c'est que Paris et Paris intramuros. Donc dans Paris et pas sa banlieue autre. D'accord. Okay. Ah oui, voilà. Tu peux pas le sortir de. Non, voilà. C'était la nouveauté avec ma nouvelle coupe de cheveux. C'était deux nouveautés de cette semaine, sachez-le. Ça va bien les cheveux courts. C'est vrai. C'est bizarre parce que celui-là, je le vois pas sur le plan. Ah bah non, là du coup, celui-là, non, tu le verras pas. Vu qu'en vrai, il est en utilisation. Ah oui, d'accord. Bah, c'est logique. Ah, il est pas tu veux que je t'apprenne un peu comment ça. C'est comme ça. Bon, sinon, j'ai fait un petit tour du web. Comme d'habitude, j'ai fait un petit tour d'internet. Et je vais trouver trois produits assez sympas que je voulais mettre en avant. À commencer par Wicked Ball. Donc c'est un projet Kickstarter qui a déjà récolté 50 000 euros sur les 12 000 demandés de base, et c'est une petite baballe pour faire mumuse avec votre chien, votre chat ou vous-même si vous voulez vous amuser avec une balle. Ce que je trouve assez sympa, c'est que c'est une petite baballe connectée. T'as trois petits modes différents, calme, un peu plus normal ou un peu actif, et ça te permet d'occuper ton chien de manière
de manière purement très, très sympa finalement. Ça marche avec les enfants. Ça marche avec les enfants. Tu peux essayer avec tes enfants, j'ai hâte de voir la vidéo. Mais, mais non, donc il y a 8 heures de charge, enfin il y a 8 heures d'autonomie, il y a 1 heure pour charger la balle entière. C'est évidemment prévu pour que ça soit mordu, jeté dans tous les sens. Donc elle roule toute seule et elle saute, c'est ça le concept. C'est ça, ouais, en fait ça bouge, hein. C'est une balle lumineuse qui bouge. Petit truc sympa, c'est IP67, parce que la bave des animaux, c'est pas super sinon. Ouais. Et il y a un petit compartiment à nourriture, si vous voulez, quand la balle se déplace comme ça, le chien ou le chat, il a un petit, sa petite rigole. Il y a la radio FM, il y a la recherche sans fil. Il y a la Siri, elle est compatible avec ça, IFTTT, vous pouvez faire plein de trucs. Quand je rentre dans la maison, la balle, elle part dans tous les sens. Mais voilà, c'est assez rigolo, je trouvais ça sympa, c'est un projet qui marche bien. Par contre, c'est un peu cher, on va pas se mentir, il y en a pour $140 la balle. Donc ça, c'est cher. Un peu moins cher si vous backez le projet sur Kickstarter, comme d'habitude. Donc voilà. 140 balles, quoi. 140 balles, ouais, ça en fait de la balle. Deuxième petit produit que je voulais vous montrer qui n'a absolument rien à voir, que je trouve vraiment génial et que j'ai hâte de voir partout, ça s'appelle RAN Marine Technology. C'est un espèce de... Tu vois le Roventa que tu as chez toi, l'aspirateur robot? Oui. Et ben là c'est pareil, mais pour les océans. C'est un produit que je trouve incroyable et que j'ai hâte de voir vraiment arriver et de se démocratiser. On en parlait avec Pierre Fontaine juste avant. C'est un produit qui nettoie les océans de toutes les saloperies qu'il y a dedans, malheureusement finalement. Du plastique. Il va avoir du goulot, le petit. Là, ouais, c'est pour ça. Il n'est pas si petit que ça, hein, pour te dire. Là, on s'en rend pas vraiment compte, mais il fait 1m50 sur 1m20. Donc, il est quand même assez costaud. Il peut avoir, il pèse déjà 39 kg non chargé, donc il est assez lourd. Et il a plein de capteurs. Il a un capteur de pH, il a un capteur de température, il a un capteur de profondeur, donc qui lui permet de savoir où il peut aller. Tu as un historique sur où il a été, tu as un historique sur le temps de trajet, etc. Enfin, tout ce qu'il a fait. Et tu peux soit le déplacer avec une manette, un joystick, soit programmer un itinéraire qui suivra finalement comme un peu un robot aspirateur tout simplement. Donc il peut être autonome finalement. Au final, oui, à partir du moment où tu l'as programmé, il n'est pas purement autonome parce qu'il ne se déplace pas tout seul. Tu ne vas pas détecter par exemple, il ne va pas détecter les détritus ou les choses comme ça. Non, ça il ne peut pas encore le faire. Il peut aller en mer loin ou Pour l'instant, il communique sur. Il fait le tour de la Terre. Alors, je ne pense pas que tu peux le foutre au fin fond de l'océan Indien, mais déjà, s'il peut laver toutes les côtes et tous les rivages de France. Presque les ports déjà. Il y a JD en régie qui demande s'il sait faire le distinguo avec les tortues, les bébés qui se baignent, etc. Alors, très bonne question. Je pense qu'il est mis dans des endroits où t'as personne. T'imagines, il y a mal ton bout en plastique, c'est un déchet. Le gamin avec ses réglés. Mais voilà. Je pense qu'il a des capteurs quand même pour reconnaître certains trucs. Et puis, de toute façon, si tu le pilotes à la main, en vrai, tu vois, il est quand même assez costaud par rapport aux gens qui le dirigent. Donc voilà, je regarde. Et qu'est-ce qu'il en fait? Alors, au bout d'un moment, il est plein, il faut qu'il aille se vider. Quoi. Oui, après, tu le vides, hein, c'est comme ton aspirateur finalement. Tout à fait. Recrache derrière en fait. Et tu peux le faire fonctionner 16 heures par jour. Tu vois, il est quand même gigantesque. C'est gros, c'est gros. Moi je trouve ça super. Mais alors on en est où là? C'est du proto? Alors ça, c'est un truc qui existe. Il n'y a pas de prix parce que je pense que c'est vraiment destiné aux professionnels, les mecs qui gèrent les ports ou quoi. Enfin, tu vois, on n'a pas vraiment besoin pour ma mémoire quoi. mais visiblement, ça existe et ça se vend. Mais je trouve ça juste assez dommage que ce soit pas assez démocratisé pour qu'on en ait plus. Pour ta grande piscine, Jérôme, dans ta résidence secondaire. Oui, pour mon lac. Oui, pour ton lac. Pour mon lagon personnel. Voilà. Lagon, ça peut avoir du sens. Je trouve ça génial. Bon, il ne faut pas que ça encourage les gens à jeter n'importe quoi. Non, c'est pas. Voilà. Autant, hein. Mais bon, on est sur une vague de choses positives. Donc, j'ai hâte de voir arriver ce truc-là. Super. Dernier. Sur la Seine, les Seines, les canaux. C'est Canal Saint-Martin, tout ça. Donc voilà. Et dernier petit truc, on reste dans le thème. J'étais très écologie, très vert cette semaine finalement. Bravo. Arriver à vélo. Tu vois, c'est vrai qu'on dirait que je suis sponsorisé. C'est un truc qui pollue bien là maintenant. Désolé. Non, j'ai ma petite balle, mon petit robot, et à la fin, je vais trouver la meilleure poubelle du monde pour moi, qui s'appelle Bin E. Une poubelle, en fait, qui, on sait tous, ça peut être un peu chiant de trier ses déchets, c'est pas le truc le plus drôle de changer le plastique, le verre et tout ça. Et bien, en fait, cette poubelle fait tout ce qui est chiant pour vous, c'est-à-dire que vous placez l'objet que vous voulez jeter dans la poubelle, et elle a des compartiments qui trient l'objet, si c'est du plastique, du verre, du métal. Et je trouve ça assez incroyable et assez génial, vraiment. J'ai hâte de voir ce truc se démocratiser. Mais elle trie que les emballages. Si tu mets des alors oui, si tu mets un sac de McDo, il va pas comprendre. Ouais. Mais non, elle trie tout ce qui est recyclable. D'accord. Donc t'as 4 compartiments. Ça va être montré après dans la vidéo qu'on voit là. T'as 4 compartiments où elle va déplacer en fait au fur et à mesure ce que tu lui mets. Typiquement voilà, là le monsieur met sa petite bouteille et ensuite ça va t'ouvrir la poubelle pour te montrer les 4 compartiments et que la bouteille a été dans le bon compartiment plastique. Le truc un peu plus cool
plus encore, c'est qu'une fois la poubelle est connectée, c'est pour ça que je la présente, c'est pas juste une poubelle marrante, c'est qu'elle elle a un écran qui va te dire ok, ça a été côté plastique, côté truc, côté ci, côté là, et une fois qu'elle détecte un certain niveau, en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle aplatit, elle compresse, ouais, et elle compacte pour que tu puisses en mettre encore plus. D'accord. Tu peux mettre quasiment 1 mètre cube une fois que c'est tout compacté, ce qui est quand même costaud. Et le truc qui peut être sympa, qui prévoit de faire et qui est en place actuellement, c'est que ça communique avec les services de déchets à proximité, comme ça ils savent quand récupérer finalement ta poubelle, si c'est plein, c'est pas plein, ils vont pas passer. C'est plutôt pour les lieux publics, les restos, les trucs ouais, comme pour les ça, grosses boîtes, mais tu vois, typiquement, nous on n'a pas boîtes. Ça quoi. Ça serait bien d'avoir une petite poubelle comme ça pour une entreprise. Ouais. Tu mets tes papiers, tes trucs. À la maison, parce que là, mais aujourd'hui, tu comprends plus rien ici. Non, tu comprends plus rien. Tu sais pas où il faut jeter. Exactement. Alors tu regardes s'il y a personne, tu jettes dans des trucs, tu sais pas trop. Non, mais c'est ça. Ni vu ni connu, c'est un peu terrible quoi. Parce qu'en fonction des régions, c'est pas la même chose, en fonction des villes et tout. Exactement. Et donc je trouve ce modèle assez, enfin ce truc assez impressionnant, et j'espère qu'on en aura plus dans quelques années, dans pas si longtemps que ça, vu que ça existe aussi, pareil. C'est pour du business, c'est pour des entreprises, donc il y a pas de prix affiché sur le site, mais on peut, si jamais une entreprise veut les contacter, si vous avez une entreprise et que vous voulez ce genre de produit, c'est dispo sur leur site internet. Super. Jordan, c'était top. J'étais très écolo. Ouais. C'était génial. Tu vois que tu peux parler de quelque chose de trash, finalement. Ouais. Bah je le passe. C'est déjà arrivé, hein, tu sais, j'ai un passif ici. C'était un jeu de mots, je crois. Je sais. D'accord. J'avais compris. Tu pars sur le roue arrière, du coup à 32 kilos, je vous assure que je ne vais pas partir, mais je vous invite à l'essayer. Hein. Je veux bien faire une vidéo de Jérôme et François qui l'essaye après, avec grand plaisir. Oh, si yeah, yeah. Demandez-la en commentaire si vous la voulez. Je la fais et je la poste avec grand plaisir. Mais attends, il est très très lourd, vraiment. Ouais, il est lourd. Mais il est très facile à utiliser. Dès qu'on aura coupé. On fait une petite vidéo si tu veux. S'il y a une demande en commentaire, moi je vous filme. Non. Voxis Populus, on écoute le peuple, non. C'est normal. Tiens, écoutons le peuple et voyons ce que le peuple a voté pour la question Zéro en Live. Orange, utilisez-vous une tablette de type iPad jamais à 48%. C'est dingue ça. C'est fou, hein. Oui, souvent, 29% et quelquefois 23%. Tiens, mets en copie Tim Cook, ça lui fera plaisir, je pense. Tim Apple. Ça fait rien, il y a un marché, on le sait, c'est un marché de niche, ce qu'on disait tout à l'heure. Merci à Jordan d'avoir été avec nous. Ce Zéro Live est terminé. On a été très heureux de passer cette grosse demi-heure en votre compagnie. On sera là, bien sûr, jeudi prochain. Jérôme, voilà. Ça fait plus qu'une demi-heure, oui. Plein de choses vous attendent sur zéronet.com. On est plus vers l'heure que la demi-heure. Voilà, plein de choses vous attendent sur zéronet.com et sur zéronet TV. Merci de nous suivre et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. À très vite, donc. Salut à tous, à bientôt.